créé le site Jaxen bah, pour permettre aux personnes à mobilité réduite de pouvoir partager leur carnet d'adresses accessible. Et après, on s'est dit qu'il n'y avait pas que les personnes concernées, c'est qu'il y avait moyen de développer un nouveau geste citoyen, c'est-à-dire expliquer que bah, tout le monde dans la population qui souhaite se rendre utile peut repérer les adresses accessibles et les faire connaître sur jaxen.com. La grande différence avec un guide classique, c'est que là, ce n'est pas un professionnel qui va dire, voilà, ce lieu, il est accessible. Ce qui est important, c'est de se dire que, en fait, c'est chacun qui, à chaque fois qu'il va dans le lieu, il renseigne le lieu. Ça fait 4 ans et demi que le site est sorti, enfin, est lancé. Et donc, il y a plus de 15 000 adresses, quasiment 16 000, là, en février 2011. Et puis, plus de 4 000 membres, avec des membres qui deviennent de plus en plus actifs sur le terrain, mais aussi sur le site.